Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez de part ou de loin chez vous, nous vous disons bonsoir et bienvenue à la première édition de Passons à table, une émission présentée par Sidonie Ndoumou et Sandra Mazina. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sidonie. Bonsoir encore. Merci où que vous soyez en ce moment, nous vous disons merci de bien vouloir nous écouter à cet instant. Maintenant, je vais passer la parole à Sandra afin qu'elle puisse nous expliquer ce que c'est Passons à table, parce que sûrement vous avez vu le générique, vous avez vu de la bonne nourriture, une table bien dressée. Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Passons à table? Bien sûr, Sidonie, merci pour la parole. Encore une fois de plus, bonsoir vous tous qui nous suivez de près ou de loin. Nous disons bonsoir chez vous, bonsoir, que le Dieu vous bénisse. Et donc voilà, Passons à table est une nouvelle émission. Vous allez certainement vous demander, Passons à table, vous avez vu de la nourriture, mais maintenant là, vous ne voyez pas de nourriture et vous êtes certainement en train de vous demander, mais Passons à table, ça a quelque chose à voir avec la cuisine, quelque chose de culinaire. Ben, hélas, je vais vous dire que non, pas nécessairement la cuisine comme nos cuisines dans la maison, mais ça a quand même quelque chose à voir avec la nourriture. Et là, nous parlons de la nourriture spirituelle. Donc, je veux nous expliquer ceci. Passons à table. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc là, nous voyons les paroles de notre Seigneur qui dit qu'il frappe. Et donc, si nous entendons sa voix, nous ouvrons, il entrera, il soupera avec nous. Et encore, toujours dans la Bible, la sœur Sidonie, et ainsi que vous qui nous suivez, dans Matthieu, la Bible dit ceci, que l'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc là, nous voyons que le pain est très important pour nous, mais aussi le pain spirituel. Et donc, Passons à table, c'est tout simplement une émission où nous allons méditer la parole de Dieu. Nous savons que nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Paul Olive Kiesinkosi, qui nous donne des belles paroles tous les dimanches, tous les lundis, et puis voilà. Et donc, pour ceux-là qui sont de l'église Sion du Saint d'Israël, vous connaissez la parole qu'il nous donne. Mais pour ceux qui ne sont pas de Sion, mais qui voudraient aussi bénéficier de la grâce, de la parole que nous recevons, nous sommes là et nous serons là toutes les semaines. Donc c'est une émission hebdomadaire. Oui. Nous reviendrons toutes les semaines avec des méditations que nous allons prendre le temps de partager. Mais pour que vous compreniez un peu plus pourquoi Passons à table, nous allons prendre le temps d'expliquer pourquoi nous mangeons. Nos corps physiques, Sidonie, pourquoi nous mangeons? Oui, bien, Sandra, merci. Comme la sœur Sandra parlait de la méditation, nous savons aussi que notre corps a trois parties, le corps physique, l'âme et l'esprit. Notre corps physique a besoin des substances nutritives, telles que les sels minéraux, les glucides, les protéines, tout ce que nous mangeons pour la bonne contribution, pour le bon fonctionnement, pour pouvoir avoir une belle peau et avoir une bonne santé. Donc, nous avons besoin de tous ces éléments dans notre corps physique pour une bonne croissance. Déjà, nous voyons un bébé lorsqu'il naît, dans le sein de sa maman, il reçoit les substances nutritives dès le premier jour, jusqu'au jour où il sort, le jour où il sera enfanté. Il reçoit cette substance de sa maman qui va faire croître, qui va faire ce bébé croître dans le sein de sa maman. Et lorsqu'il il sera né, il commencera aussi par le lait et il prendra au fur et à mesure, à chaque niveau de sa croissance, il aura des substances qui le feront croître, avoir une bonne santé. Donc si le corps physique n'est pas bien nourri, nous sommes exposés aux maladies, exposés à toutes les intempéries qui peuvent attaquer le corps. Donc il est très important de pouvoir nourrir notre corps physique. De même, nous nourrissons le corps physique. Nous avons aussi besoin de cette nourriture, des éléments nutritifs pour notre corps spirituel, afin de pouvoir nourrir notre esprit. Amen. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, en gros, passons à table. Nous passons à table avec la parole de Dieu. Certainement, je ne veux pas dire jamais, parce que ça pourra arriver, mais ce sera quand même difficile de voir des couteaux et des fourchettes ici sur
au studio, de passons à table, mais ça pourra arriver, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les semaines, vous aurez à manger de la parole spirituelle, gloire à Dieu, amen, dont nous mangerons. Et pourquoi? Vous pouvez peut-être vous demander, pourquoi cette parole? N'est-ce pas qu'on va déjà le dimanche et le lundi? Pourquoi nous avons nos églises, nous avons la parole de Dieu? Pourquoi cette parole? Je veux dire ceci. Nous avons besoin de la méditation. Pourquoi? Parce que ça va permettre que nous puissions arriver à l'unité même de l'esprit, que nous puissions avoir une même pensée. Comme tu sais, il y a une histoire dans la Bible qui dit que les gens, c'est dans la Bible, dans Genèse, ça dit que le monde de ce temps-là, les géants de ce temps-là, ils avaient une même pensée, l'idée de construire une tour. Et donc, ils sont allés avec une même pensée, une même idée, ils se sont dit, allons, bâtissons la tour. Et en fait, que la tour puisse arriver jusqu'aux cieux. Et lorsque Dieu, assis sur son trône, a regardé, il a dit, eh ben, ces gens-ci, ils sont tellement unis. Si je les laisse faire, ils feront plus grave que ça. Parce que c'est vrai, ils étaient tous unis. Mais si nous regardons bien, peut-être que la motivation n'était pas bonne. Et donc, Dieu dit, descendons et confondons-le. Et donc, là, nous voyons le pourquoi de l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous avons une même pensée, nous pensons de la même manière, nous parlons de la même manière, nous ferons des grandes choses. Gloire à Dieu. Et donc, voilà pourquoi nous passons à table, pour pouvoir méditer comme des chèvres, régurgiter la parole que nous recevons, afin que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies. Amen. Donc, en gros, passons à table. C'est une méditation. C'est une émission où nous allons méditer la parole de Dieu. Et puis, il y aura des thèmes. Il y aura des thèmes. Et sans plus tarder, nous sommes au mois d'août, n'est-ce pas? Ouais. Et nous savons qu'à Sion du Saint d'Israël, le mois d'août a été déclaré le mois de l'intervention divine. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on a donné le sujet, j'ai dit oui, c'est ça. Nous avons besoin de ça. Le mois de l'intervention divine, où nous allons voir l'intervention dans tous les domaines de nos vies. Donc, quel que soit le problème que tu peux avoir en ce moment, toi qui nous suis, c'est le mois de l'intervention divine. Mais avant de passer à l'intervention divine, je sais que nous sommes déjà au mois d'août, je voudrais quand même que nous puissions retourner un peu en arrière et parler du mois de juillet. Parce que le mois de juillet, Sidonie, c'était formidable, c'était quelque chose, hein. Ah oui, c'était quelque chose. Et je voudrais quand même que ceux qui nous regardent maintenant puissent aussi bénéficier. Qu'est-ce que nous avons parlé? Qu'est-ce que l'homme de Dieu, le pasteur Paul, a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit pour le mois de juillet? Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Hein. Non. Il faut quand même parler. Hein. Il faut quand même leur dire qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet. Le mois de juillet, waouh, c'était un autre mois excellent. Un mois qui a été déclaré le mois de la paix. Le perfectionnement. Mm-hmm. Et le pasteur a parlé du perfectionnement. Il a mentionné le lieu du perfectionnement. Mm-hmm. Il a parlé du perfectionnement en amour, mm-hmm, perfectionnement en connaissance, mm-hmm, le perfectionnement dans la prière. Amen. Nous savons que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous perfectionner dans tous les domaines, faire des choses avec excellence, parce que Christ a déposé l'excellence en nous. Donc, tout ce que nous faisons doit être excellent. Et qui dit perfection parle de justification, sainteté, tout ce qui est bon. Déjà, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 31, je crois, quand Dieu a fait toute sa création, il a dit tout ce qu'il a fait était bon. Amen. Et tout était parfait. Et d'ailleurs, le verset que tu viens de dire, le pasteur l'a donné, n'est-ce pas? Il l'a donné, oui. Pendant qu'il était en train de... Voilà, continue. Donc, il a dit, et la Bible dit, tout était donc parfait. Et tel que Christ est, tel nous sommes. Amen. Donc, nous sommes aussi appelés à être parfaits comme, comme il est. Et dans l'exposé, il y avait un verset clé qui était dans Éphésiens 4, verset 11, que je vais lire. Il lui a donné. Et ce verset qui dit... Il lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer,
à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus des petits-enfants ballottés et emportés ça et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user les voies détournées pour égarer. Gloire à Dieu. Waouh, waouh. La Bible nous dit, les cinq ministères ont été donnés à l'Église. Pour qui ? Pour nous les enfants de Dieu, pour toi qui me suis à la maison. Et pourquoi ceci a été donné ? Pour le perfectionnement du corps de Christ, afin que tous nous puissions atteindre cette stature parfaite, cette maturité, cette perfection. Amen. Et vraiment pouvoir plaire à Dieu. Donc le pasteur a parlé de cela. Et il nous a dit aussi que nous devons perfectionner même le caractère. Il y a beaucoup de choses que nous devons perfectionner. Si nous allons à l'église, la sœur A est parfaite, la sœur B est parfaite, la sœur C est parfaite. Quelle que soit la personne qui va nous joindre, nous allons les contaminer avec notre perfection. Amen. Et tous, nous ferons des choses excellentes. Donc, il est très important vraiment de pouvoir ne pas rester chez soi, parce que la Bible déjà nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Pourquoi? Parce que, il est certes, peut-être tu diras, tu as un ami évangéliste, tu as un ami pasteur, ou tu as un ami je ne sais pas quoi. Ce n'est pas pareil. Hein? Ce n'est pas pareil qu'aller à l'église. Hein? Non, ce n'est pas pareil. Parce que le verset a été clair. Que ces ministères, ces dons ont été donnés. Pourquoi? Pour le perfectionnement du corps du Christ, des saints. Et ces saints-là, c'est qui? C'est nous qui formons le corps de Christ. Gloire à Dieu. C'était vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. C'était vraiment merveilleux. Gloire à l'agneau. Et d'ailleurs, tu as parlé du perfectionnement. Le pasteur Paul a parlé du perfectionnement. Oui. Il a dit que nous pouvons nous perfectionner en connaissance. Donc, notre connaissance peut être perfectionnée. Exactement. La perfection aussi dans la prière. Exactement. Et perfectionner aussi notre amour. Amen. Et ça m'avait touché. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler du perfectionnement de l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Exactement. Et donc, le pasteur nous dit que nous sommes appelés à perfectionner notre amour. Et donc, sans plus tarder, je vais vous inviter, vous tous qui nous suivez en ce moment, de prendre vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos petits calepins, et nous allons décoller avec le Saint-Esprit qui est l'enseignant parfait, qui va nous aider pendant cette méditation. Et je suis sûre et je suis persuadée que le Saint-Esprit en œuvre en vous va vous donner des idées, va vous parler au travers de cette méditation. Et c'est pourquoi je vous demande de prendre vos stylos et vos calepins. Comme ça, vous pouvez écrire des petites choses ou des petits mots qu'il va vous dire pour votre étude personnelle. Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens. Nous ouvrons Éphésiens 5, verset 2. La Bible dit ceci. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc là, nous voyons que Christ, nous devons marcher à l'exemple de Christ. Et donc, marcher dans l'amour est l'un des caractéristiques de la maturité chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez facilement identifier un chrétien mature par la façon dont il communique avec les autres, par la façon dont elle respecte les autres aussi, la personne. Donc, disons que si quelqu'un s'est dit mature, une chrétienne, un chrétien dans l'église, dans la maison de Dieu ou même dans son environnement, la personne dit que je suis mature, ça se saura par sa façon de communiquer avec les autres, par sa douceur, par sa façon de faire. Donc, la personne va démontrer son amour envers les autres parce qu'il voit Dieu au travers de ces personnes-là. Exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, lorsque la personne, disons que moi, je me dis mature et je vois les autres personnes, je dois voir Dieu dans ces personnes-là. Parce que je me dis que c'est Dieu qui les a créés. Ils ont été créés à l'image, ou elles ont été créées à l'image de Dieu. Et donc, je dois les respecter, je dois les aimer et je dois faire tout ce qui est possible pour que je puisse être en bonne relation avec eux. Je dois considérer, avoir de la considération si j'estime que je suis mature dans les choses de Dieu. Je dois avoir de la considération avec les autres personnes. Et donc, si je juge les gens parce que je vois quelque chose en eux,
cela prouve l'immaturité, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas commencer à juger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon ministère de juger. Dieu ne me juge pas. Pourquoi je vais juger les autres? Donc, je ne suis pas appelée à juger. Et tu sais, cette chose, des fois, nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans la maison des dieux. Il y a une nouvelle, je vais prendre l'exemple d'une sœur, parce que les sœurs, nous nous connaissons et souvent, c'est souvent nous qui tombons. Et donc, une sœur qui vient à l'église, une sœur qui n'est pas chrétienne, ou alors une païenne, ou une sœur qui n'est pas vraiment affermie, et qui vient à l'église et qui n'est pas habillée décemment. Toi, tu es diacre ou diaconesse, toi, tu es ancien ou ancienne. Tu regardes la sœur ou protocole, et d'ailleurs les protocoles souvent aussi, hein, parce que c'est eux qui donnent la place. Et donc tu regardes la personne, tu la regardes déjà, la sœur qui arrive, tu la regardes avec dédain et tu la qualifies déjà de moins que rien. Et tu la, comme on dit en anglais, tu la despises. Pourquoi? Parce que son accoutrement n'est pas si bon que ça ou si bon que ça. Et nous ne sommes pas appelés à faire cela. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas juger. Or, la personne que tu as vue entrer dans l'église aujourd'hui, mal habillée, tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas les promesses de Dieu dans sa vie. La personne que tu vois entrer dans l'église aujourd'hui, mal habillée, peut-être que dans 6 mois, cette personne-là, ça sera une grande intercesseuse. Et Dieu va utiliser la personne. Et donc, si tu juges par rapport à ce que tu vois extérieurement, Tu vas te tromper. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci dans Romains 8, 6, que « Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, nous devons nous affectionner des choses de l'esprit. Et s'affectionner des choses de l'esprit, c'est voir au-delà des 5 sens. Voir de la manière dont Dieu voit. Donc, parler de la manière dont Dieu parle. Si Dieu te dit que cette sœur est une intercesseuse, même si tu la vois dévergondée, il faut la parler comme une intercesseuse. Pourquoi? Parce que tu vois son futur. Exactement. Pour nous, certes, c'est le futur, mais pour Dieu, ce n'est pas le futur. C'est quelque chose qui est déjà passé. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, tu nous as richement bénis. Mmh. C'est vrai, nous ne devons pas voir les gens de la même manière que les autres les voient. Quand je parle de nous, je parle de nous les enfants de Dieu. Parce que déjà, quand Jésus-Christ a accepté mourir à la croix, il n'est pas mort pour les riches, il n'est pas mort pour les pauvres, il n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Il est mort pour tout le monde. Amen. Et pourquoi il a accepté de le faire? C'est par amour. Il l'a fait par amour. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. La chose qui lui était très chère, ce dont il avait de très cher, il a envoyé ce fils. Et ce fils a subi le châtiment. Amen. Tout ce qu'il a subi, il a subi par amour. Il a subi pour toi, il a subi pour moi. Amen. Donc c'est très important. Et déjà, il nous a même laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et si je me rappelle bien, dans l'exposé du pasteur, il le disait, si tu ne peux même pas aimer ton frère qui est devant toi. Comment pourras-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Que tu ne vois pas. Comment? Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Non. Nous croyons par la foi. Mais par contre, nous voyons Dieu au travers des frères et sœurs qui sont avec nous. Exactement. Et donc, si nous ne les aimons pas, comme tu dis, comment aimerons-nous Dieu? Dieu, comment dirons que nous... Nous sommes des menteurs. C'est ce que la Bible dit. Exactement. Donc, il est très important de voir Dieu en la personne qui est devant toi. Tout à fait. Tout à fait. Et d'abord, d'ailleurs, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être conforme à l'image de son fils Jésus-Christ. Et notre exemple, c'est Jésus. Comment était Jésus? Et tu sais que Jésus s'asseyait avec les putes. Exactement. Jésus s'asseyait avec les malfaiteurs, les mendiants, les moins que rien. Oui. Et si Jésus a fait ça, pourquoi pas toi qui nous suis maintenant? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi, Sidonie? Nous devons vraiment accepter tout le monde et marcher dans l'amour. Parce que nous allons même gagner ces personnes-là lorsque nous marchons dans l'amour, n'est-ce pas? Lorsque la personne a une vie légère ou comment dévergondée et que tu démontres l'amour, la personne va se dire, ah, comment est-ce qu'on peut m'accepter? Moi, on ne m'accepte jamais. Mais on m'a considéré. La personne va se regarder 2 fois et la personne va se recadrer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer en disant ceci.
Certaines personnes pensent que lorsqu'elles reçoivent des réponses à leurs prières, elles sont automatiquement matures spirituellement. Lorsqu'elles demandent une chose le lundi et le mercredi, la chose s'accomplit, elles se disent « Ouais, je suis mature parce que lorsque je prie, Dieu m'entend, Dieu m'exauce. » Est-ce que tu sais ça, qu'il y a des gens qui disent ça? Il y a des gens, bien sûr, qui pensent que lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils demandent, et tout ce qu'ils demandent, Dieu les accorde, ils marchent dans l'amour. Mais je veux te poser une question. Je veux savoir, sûrement, quelqu'un à la maison qui nous suit, sûrement en train de se poser aussi cette question. Nous parlons toujours de la maturité en amour. Est-ce que le fait qu'un chrétien puisse prier et recevoir toutes les réponses à ce qu'il demande à Dieu, est-ce que ça fait preuve de maturité, même si cette personne ne marche pas dans l'amour, même si cette personne garde rancune, tu ne pardonnes pas ton voisin, tu ne pardonnes pas ton prochain, est-ce que cela fait preuve de maturité, Sœur Sandra? Je vais dire non. Recevoir des réponses aux prières, aux requêtes, n'est pas preuve de maturité du tout. Vous recevez des réponses aux prières tout simplement parce que Dieu vous aime. Il vous aime, c'est un papa. Tu sais, nos enfants, des fois, ils font des bêtises, mais cela n'empêche que lorsqu'ils ont faim, on leur donne à manger. La Bible dit, méchants comme vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous ne donnez pas des pierres à la place. Et donc, si nous qui sommes humains, Nous faisons des bonnes choses. Pourquoi pas Dieu? Cela ne veut pas dire que lorsque tu reçois des réponses aux prières, tu y es mature. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, n'est-ce pas, dans Matthieu, que le soleil, que Dieu fait briller le soleil pour les méchants et les justes. Donc, lorsqu'on parle des méchants et des justes, nous voyons des chrétiens, nous voyons des païens, nous voyons des athées, nous voyons toutes sortes de personnes. Donc, le soleil s'élève pour nous tous. Et la pluie tombe pour nous tous. Et d'ailleurs, la Bible dit aussi dans Lamentation que les bontés de l'Éternel sont inépuisables, n'est-ce pas? Qu'il les renouvelle chaque matin dans nos vies. Donc, toi qui nous suis maintenant, les bontés de l'Éternel ont été renouvelées dans ta vie. Voilà pourquoi tu nous suis ce matin. Et donc, en nous suivant ce matin ou ce soir, où que vous soyez, parce que tu sais, dans d'autres pays, c'est le matin. Ici, il est 18h passé. Aux États-Unis, c'est l'après-midi et puis ainsi de suite. Donc, là où vous êtes, le matin, lorsque vous vous êtes levé, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans votre vie. Et donc, vous recevez, vous allez recevoir. Dieu est miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut. Donc, réponse aux prières n'a rien à voir avec la maturité du tout. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça par rapport à la question que tu viens de me poser. Et je suis persuadée qu'il y a bon nombre de gens qui nous regardent en ce moment qui peuvent aussi se poser la même question. Je reçois des réponses, je suis mature, mais non. La réponse aux questions n'est pas preuve de maturité du tout. Et d'ailleurs, voilà, je veux dire ceci. Une personne qui reçoit un enfant, par exemple, disons, vous avez un enfant qui a 3 ans, qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui dit, maman, je veux McDonald's, vous allez vous acheter. Maman, je veux ceci, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Pourquoi? Parce que vous voulez tout simplement que l'enfant vous laisse tranquille. Mais lorsque cet enfant grandit, et que l'enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, les vies vont changer. Voilà. L'enfant pourra poser sa demande et vous pourrez dire non. Il y a des choses aussi que vous attendez de cet enfant. Tout à fait. Parce que vous donnez des instructions et l'enfant doit respecter ses instructions. Voilà. Et je veux aussi te poser une autre question, Sœur Sandra. Nous sommes toujours en train de parler de la maturité en amour. Alors, dans la vie pratique, comment mettre cet amour dans, en pratique? Parce que sûrement, quelqu'un va dire, oui, on parle de l'amour. Est-ce qu'il faut prier tous les jours, jeûner, lire sa Bible de lundi à lundi? Qu'est-ce que le chrétien peut faire pour pouvoir marcher dans l'amour? Waouh, j'aime cette question. C'est une très bonne question et je pense que bon nombre de gens vont s'identifier à la question. Et d'ailleurs, pour comment aimer et surtout aimer les gens qui ne sont pas aimables. Aimer les gens qui nous persécutent, par exemple. Aimer les gens qui disent du mal de toi. Toi qui nous suis en ce moment, tu vas te dire pourquoi je vais aimer cette personne, cette sœur ou ce frère ou ma tante ou mon oncle. Depuis que je connais telle personne, elle ne me fait que du mal. Pourquoi je vais l'aimer? Je vais dire ceci par rapport à la question. Tu sais, lorsque nous recevons Christ,
nous recevons le salut, nous recevons tout un paquet. Et dans le salut, nous recevons la vie en abondance, la santé, l'argent, c'est tout un paquet. Et lorsque nous recevons ce salut-là, nous avons une autre chose ou une autre personne que nous recevons dans nos vies, et c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi, en moi, toi qui es chrétien, bien sûr, ou chrétienne. Et donc, lorsque tu as reçu Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Et donc, cet amour qui est en toi, tu ne peux qu'aimer. Tu vas certainement te dire que je ne ressens pas cet amour. Eh bien, prie. Prie tout simplement, sois franc ou franche avec ton Dieu. Dis à ton Dieu que Seigneur, tu sais quoi? Je sens, parce que ce sont des sensations que le diable va infiltrer en nous, va déposer. Et si nous ne savons pas discerner cela, nous allons laisser cela germer et ça va nous apporter bien des choses qui ne seront pas bonnes. Et donc, il faudra dire... Bloquer notre esprit. Tout à fait. Et ça va même bloquer notre croissance spirituelle. Et donc, il faudra dire au Saint-Esprit qui est notre enseignant, l'enseignant parfait. Il est le consolateur. Il est ce qu'il est. Il est notre guide. Jésus est parti. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là habite en moi, habite en toi, Sidonie, et habite en toi qui nous regarde en ce moment. Dis au Saint-Esprit que aide-moi. Et donc, l'amour est déjà là. C'est tout simplement la confesser. Et comment le confesser, pardon. Et donc... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par exemple, nous avons le pasteur d'ailleurs. Là, je veux dire ce que le pasteur nous a dit pendant le mois de juillet. Il a dit, il y a trois sortes d'amour. L'amour éros, qui est l'amour entre hommes et femmes. L'amour érotique. Il a parlé aussi de l'amour philia, qui est un amour d'intérêt. Donc, disons que je vais suivre ma sœur Sidonie parce qu'il y a un profit. Et lorsque le profit n'est plus là, je fuis. Ça, c'est l'amour philia. Et donc, il a parlé d'un autre amour qui est au-dessus de tout autre. C'est l'amour agapé. Et donc, la méditation d'aujourd'hui est basée sur cet amour. L'amour agapé qui a été déposé en toi au travers du Saint-Esprit, comme Romains 5, 5 nous dit. Il est déjà en toi, dans ton cœur. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Va devant ton miroir et regarde-toi dans la glace. Dis-toi, par exemple, je vais prendre Martine. Tu dis, Martine, tu t'appelles Martine, n'est-ce pas? Toi qui me suis, tu t'appelles Martine. Tu dis, moi, Martine, je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer tous ceux qui me persécutent. Peu importe ce que les gens disent de moi, j'ai pris la décision parce que l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur. Je prends la décision d'aimer. Et donc, tu confesses cela. Il y a le pouvoir dans la confession, n'est-ce pas? Tu continues à confesser et au bout d'un moment, tu verras que ce qui était difficile, même la personne qui disait du mal de toi, tu verras la personne et tu vas sourire. Et tu vas lui dire bonjour sans pour autant avoir le cœur qui est en train de pincer. Parce que des fois, tu sais, lorsque tu sais qu'il y a une personne qui dit du mal de toi, lorsque tu la vois, le cœur pince un peu. Hein, ça fait un peu... Fait, tu te dis... Et même si tu étais au trottoir gauche, tu la vois venir, la personne, tu traverses, tu vois du côté droit. Pourquoi? Parce que du côté droit. Parce que tu te dis, oh, c'est cette personne, cette personne, cette personne. Et puis voilà quoi. Donc voilà, le Saint-Esprit en toi, comme dit la Bible... Il a déjà déversé l'amour. Tu ne peux que aimer. Je pense que j'ai quand même répondu à la question que bon nombre de gens peuvent se poser en ce moment. Donc, voilà quoi. Et puis, je ne sais pas si tu as une autre question. Non, je n'ai pas de question en ce moment. Mm-hmm. Mais ce que j'ai dit, c'est que la Bible dit même dans Philippiens, je crois, 2, verset 5, mm-hmm. que « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. Christ était plein d'amour. Amen. Et je pense que dans la vie pratique, la vie quotidienne, c'est très simple aussi. La confession a un très grand pouvoir, mais nous devons aussi les règles élémentaires. La politesse, dis bonjour à quelqu'un, c'est par amour. Parce que déjà, si tu n'aimes pas la personne, tu ne vas pas lui dire bonjour. Non. Nous voyons dans des églises, ta soeur est à côté de toi. Elle a été créée à l'image de Christ. Le frère est à côté de toi. Il a été créé aussi à l'image de Christ. Tu arrives un dimanche matin, ils sont là, tu ne peux pas leur dire bonjour. Parce que tu as le cœur
torturée, brisée, blessée. Peut-être la sœur, pendant que tu passais, par mégarde, a bousculé soit ton sac, ou alors je ne sais pas quoi. Ouf, tu en feras un grand problème. Non. Les règles de politesse, les règles de respect, les règles de la compassion, tout ça était en Christ. Jésus était ému de compassion. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était par amour, parce que ça bougeait au-dedans de lui. Exactement. Ça bougeait, il se sentait, oh, je dois faire cette chose. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. L'amour, c'est une force, n'est-ce pas, qui nous pousse à faire des grandes choses. Et c'est un exercice. C'est un exercice. Donc, toi qui nous regardes, tu peux prendre la décision à partir de cet instant et dire, ok, je vais abandonner tout ce qui m'ont fait du mal, peu importe ce qu'ils ont fait, je vais démontrer cet amour parce que Christ est amour. Et parce que tu confesses Christ de ta bouche, tu dis, je vais pardonner parce que l'amour pardonne. L'amour, qu'est-ce que je vais dire? L'amour supporte tout. L'amour supporte. Donc tu dois supporter ton frère. L'amour ne pense pas du mal. Corinthiens nous le dit, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça que tu voulais dire, n'est-ce pas? J'ai pris tes paroles. Oui, l'amour supporte tout. L'amour ne pense pas du mal. L'amour accepte. Oui, l'amour, c'est un grand sujet. Et je suis persuadée que toi qui nous suis en ce moment, le Saint-Esprit certainement est en train de parler à ton cœur. Tu sais là où ça fait mal. Tu sais là où il faut arranger. Récadre-toi aujourd'hui. Ne te dis pas que c'est la sœur Sandra qui parle, c'est la sœur Sidonie qui parle. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Pendant qu'il est en train de te parler, il est aussi en train de nous parler. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Et donc nous devons nous récadrer, nous repositionner et marcher dans l'amour. Exactement. Et ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Ne dis pas que tu ne peux pas pardonner. Parce que si tu le dis, pourquoi Christ t'a pardonné, toi qui nous regardes? Tout à fait. Donc, tu peux le faire. Fais un seul pas. Va vers la personne. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonsoir. Tout à fait. Demande à cette personne comment tu vas. Peu importe ce que cette personne a pu te faire. Si Christ est mort pour toi, Christ est aussi mort pour cette personne. C'est ça. C'est tout à fait. Sœur Sandra, je vais te demander aussi cette question. Je vais te poser cette question. Nous venons de voir comment mettre cet amour en pratique. D'accord. Je marche dans l'amour. Quels sont les profits? Pourquoi je le fais? Quels sont les avantages? Tu sais, nous lisons, lorsque nous faisons des choses, parfois nous voyons toujours ce qui viendra, le bénéfice qu'il y aura devant. Et c'est ça même qui nous motive, C'est ça. Tout à fait. Vous savez, lorsque l'instruction est donnée, si nous suivons les instructions, nous aurons des bénéfices ou des avantages par rapport aux instructions données. Exactement. Et si nous ne suivons pas ces instructions-là, il y aura aussi des désavantages qui vont s'en suivre. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il pleut, lorsque tu sèmes le maïs, tu sèmes les arachides, les graines, et que tu arroses, qu'est-ce qui va arriver? Ça va germer. Et tu vas récolter le fruit. C'est pareil avec les instructions que nous recevons. Lorsque l'instruction est donnée, Dieu ne donne pas ses instructions juste comme ça. Non. Et d'ailleurs, c'est Dieu, il est bon. Il est bon. Il dit, voici, il y a la vie et il y a la mort. Mais je te dis, choisis la vie. Il nous donne même un type, comme on dit, un choix. Il nous donne, non, le choix est là. La vie et la mort. Mais il y a aussi un type. Un type, ça veut dire un... Comment on dit un type? En tout cas, vous nous suivez, vous allez comprendre. Un type, ça veut dire... Il nous dit, va par là. Et donc, les instructions sont données. Et les instructions s'en suivent de quelque chose. Soit des avantages ou soit des désavantages par rapport à ce que toi, tu vas décider de faire. Et donc, il est utile et bénéfique de voir le genre de la façon dont Dieu le voit. En faisant cela, vous serez étonnés de ce que le Saint-Esprit fera pour vous, des avantages. Vous verrez que votre vie va changer. Il va apporter le changement dans vos affaires, dans votre mariage, dans vos finances. Tu sais, lorsque l'homme et la femme ne s'entendent pas bien, et que toi, la femme, ou toi, l'homme, tu choisis de marcher dans l'amour agapé, pas l'amour philia ou eros, mais tu choisis de marcher dans l'amour agapé, la personne qui...
disons, si la femme choisit de marcher dans l'amour agapé, l'homme, après quelque temps, va aussi se repositionner. Pourquoi ? Parce que démontrer l'amour à une personne qui ne le mérite pas, entre guillemets, ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Et donc, lorsque tu marches dans l'amour, les avantages, c'est que sont tes finances, si c'était bloqué, ou si tu ne parvenais pas à survivre jusqu'à la fin du mois. Tu ne vas plus survivre, mais tu vas vivre en abondance. Et tu auras même beaucoup plus à donner pour des œuvres charitables, n'est-ce pas ? Et donc, si c'était les problèmes de santé, peut-être que c'est, il faut tout simplement pardonner et aimer. Et donc, voilà. Nous ne sommes pas encore live. Donnez-nous encore 2 minutes. Nous allons clôturer. Comme ça, nous allons prendre des appels. Merci. Et donc, je disais, dans les finances, si c'était au travail que ça n'allait pas, votre boss, votre manager, votre superviseur s'était tensionné, lorsque tu démontres cet amour-là envers ton boss, après quelques temps, l'élévation viendra. On va te promouvoir. Pourquoi ? Parce que tu marches dans l'amour. C'est très important, toi qui nous suis maintenant, de marcher dans l'amour. Donc ça, ce sont les avantages qui nous sont donnés lorsque nous marchons dans l'amour. Traitons tout le monde avec respect et amour. Commençons à voir les personnes qui sont au-devant de nous comme Dieu les voit. Comme des personnes spéciales, spéciaux. Donc des gens spéciaux parce que, évidemment, ils sont spéciaux. Pourquoi ? Parce que le sang qui a été versé à la montagne de Golgotha n'était pas seulement pour toi, n'était pas seulement pour moi, mais c'était aussi pour ces personnes-là qui ne sont pas aimables maintenant. Et donc, aime-le tout simplement. Aime-les maintenant. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu vas croître dans tout ce que tu fais. Et donc, voilà, ce sont les avantages de marcher dans l'amour. Et d'ailleurs, nous, les chrétiens, nous qui avons Christ en nous, nous sommes le sel, nous sommes la lumière pour les autres. Donc, où que nous soyons, à la maison, au travail, à l'école, dans n'importe quel lieu, nous devons être cette lumière. Alléluia. Nous devons montrer aux hommes combien nous sommes remplis d'amour. Et c'est ainsi que nous allons gagner le monde. La Bible dit que votre lumière luise. Afin que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il puisse glorifier Dieu. Exactement. Nous sommes la lumière nous du monde. Nous ne pouvons qu'aimer. Nous ne pouvons qu'aimer. Nous allons gagner. Alléluia. Nous allons dépeupler l'enfer. Alléluia. Et gagner les hommes pour le royaume des cieux. Amen. Car ça, c'est la grande commission qui nous a été donnée. Oh, gloire à Dieu. Je suis excitée. Je vais marcher dans l'amour. Amen. Toi qui nous suis maintenant, tu as suivi cette méditation. Marche dans l'amour. Et donc, avant de finir la méditation d'aujourd'hui, nous allons prendre le temps de confesser ensemble. Amen. Donc, vous allez répéter après moi la confession de ce soir pour que cette parole que nous avons écoutée puisse vraiment s'enraciner en nous. Amen. Et après l'émission, ne prends pas tes notes et les jeter dans la poubelle. Non, prends le temps de relire et demander au Saint-Esprit de te parler, Amen. Toi personnellement. Amen. Donc voilà, nous allons tous répéter. Cher Père, je te bénis pour ce grand amour, pour ce grand amour avec lequel tu m'as aimé, avec lequel tu m'as aimé. Je déclare de continuer à t'aimer et aussi les autres, et aussi les autres. Merci de t'être engagé, merci de t'être engagé à mon succès, progrès, progrès et prospérité dans ma vie, plus que moi-même, plus que moi-même. Je suis reconnaissante et apprécie ton amour envers moi, et apprécie ton amour envers moi. Et pour cette raison, et pour cette raison, je vivrai ma vie à t'aimer et te servir pour toujours, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire Amen. À Dieu, gloire Amen. À Dieu, gloire à Dieu. Gloire et à Dieu. Je vais aussi dire une chose. Sûrement, il y a quelqu'un qui nous a suivis et qui n'a rien compris de cette méditation. Je vous dis, ne perdez pas espoir. Il y a toujours espoir pour vous. Car comme Christ est mort pour moi, Christ aussi est mort pour vous. Nous allons faire juste quelque chose de 2 minutes. Et ce que nous allons faire, lorsque vous ferez cette chose, dans les prochains jours, cela fera un sens. Amen. Vous allez mieux comprendre ce de quoi nous parlons. Tout à fait. Et la Bible dit dans Romains 10, la Bible dit dans Romains 19,
Je vais lire. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc je vais t'inviter maintenant à répéter cette parole avec moi. Mm-hmm. Inviter Christ dans ta vie. Mm-hmm. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir créé. De m'avoir créé. Et d'être mort à la croix pour moi. Et d'être mort à la croix pour moi. Je confesse ce soir. Je confesse ce soir. Que tu es le maître de ma vie. Que tu es le maître de ma vie. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu t'a ressuscité des morts. Que Dieu t'a ressuscité des morts. Je déclare de ma bouche. Je déclare de ma bouche. Que Christ. Que Christ. Tu es entré dans mon cœur. Que tu es entré dans mon cœur. Que tu as effacé. Que tu as effacé tout le mal que j'ai commis. Tout le mal que je commis. Et que je suis sauvée. Et que je suis sauvée. Je suis née de nouveau. Je suis née de nouveau. Je marche désormais. Je marche désormais. Sachant que j'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et tu sais qu'est-ce qui se passe en ce moment au ciel? La Bible dit que lorsque une seule personne donne sa vie à Christ, il y a la joie. Il y a la joie. C'est une grande fête, hein. Ouais. Donc toi qui as fait cette prière du salut en ce moment, appelle-nous maintenant. La ligne est ouverte. Amen. Nous attendons votre coup de fil, vos Amen. Coups de fil, vous, tout ce qui avez suivi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, le but de l'émission c'est quoi? C'est la méditation, c'est de réviser. Et aussi si vous avez des questions par rapport au thème du jour, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à vos questions. Mais si nous n'avons pas le temps, parce que le temps est limité, donnez toujours votre question la semaine prochaine, parce que c'est toutes les semaines que nous serons ici. La semaine prochaine, nous reviendrons et nous donnerons une réponse à votre question. Amen. Donc, nos lignes sont ouvertes maintenant. Amen. Vous pouvez appeler. Nous attendons vos coups de fil. Gloire à Dieu. Félicitations à ceux qui ont fait la seconde prière. Amen. Félicitations et Amen. Bienvenue dans la famille de Christ. Amen. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes le bienvenu. Oui. Vous êtes la bienvenue. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Et s'ils n'ont pas une église, nous allons dire que nous sommes Sion du Saint d'Israël. Oui. Et donc, si vous êtes à Londres et que vous avez fait cette prière, ne restez pas à la maison. Nous sommes Sion du Saint d'Israël. Avec le pasteur Paul Olive qui est Sénkosi. Et nous nous retrouvons tous les lundis à 18h à Frobisher Road pour notre clinique. Là, il se passe de grandes choses. Hein. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? En attendant que... Oui, il se passe des grandes choses pendant nos cliniques. Donc, si vous avez des problèmes, venez, l'homme de Dieu est là. Il priera pour vous. Mais et est-ce que cette clinique, la sœur Sandra, est-ce que cette clinique est seulement pour les gens de Sion? Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'être membre de l'église Sion du Saint d'Israël. Vous pouvez être membre d'une autre église. Nous n'obligeons personne. Mm-hmm. Venez tout simplement profiter de la grâce qui a été déposée dans la vie du pasteur. C'est gratuit? Oh, bien sûr. On ne paie rien du tout. C'est gratuit. Il priera gratuitement et je suis persuadée que si vous venez avec votre foi, mélangée avec sa foi, vous aurez un résultat. Amen. Donc je disais, si vous parlez français, si vous parlez portugais, venez, nous nous retrouvons ici même au studio de Olive TV tous les dimanches à 12h pour notre culte français et portugais. Et si vous parlez lingala ou anglais, nous nous retrouvons tous les dimanches à Frobisher Road à partir de 15h pour nos cultes lingala et anglais. Donc voilà. Et si vous avez une question... Allô? Oui, allô, allô? Bonjour. Ah, bonjour, je voulais vous féliciter. J'ai vraiment aimé l'émission, c'est vraiment intéressant. Si vous pouvez continuer chaque semaine, vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci, merci, vous m'avez vraiment édifié. Pour l'amour agapé, parce qu'il y a, trop d'amour, d'intérêt ici, dans mmh. ce monde. Mmh. Je veux vraiment avoir l'amour, l'agapé, sans intérêt, sans quoi. Mmh. J'aimerais vraiment être comme ça. Amen. Et merci vraiment, votre émission est très intéressante. Merci, merci beaucoup, maman. Est-ce que nous pouvons demander si vous appelez d'où?
J'appelle de Londres. Gloire à Dieu. Nous serons ici par la grâce de Dieu toutes les semaines. Et c'est Dieu voulant, et nous savons déjà qu'il veut, nous serons ici toutes les semaines afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Oui, soyez bénis dans votre maison. Merci beaucoup pour l'encouragement. Merci. Merci, vraiment, c'est intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bye. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu posais une question, qu'est-ce que tu disais? Non, non, parce que j'ai demandé si c'est gratuit. Tu m'as dit non, oui, c'est pas gratuit. Oui. C'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. Non, c'est attention, gratuit. C'est gratuit. Oui, tu m'as dit c'est gratuit. Oui. Et toute personne, toute race, toute dénomination, mm-hmm. les portes sont ouvertes. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut assister. Mm-hmm. Parce que la bénédiction, comme je disais, est gratuite. Déjà, Christ nous a donné gratuitement. Mm-hmm. Donc, nous ne pouvons pas vendre. On ne demande rien. Mm-hmm. Pour ceux qui se rappellent, moi-même, j'ai passé un témoignage la semaine dernière et c'était gratuit. Mm-hmm. Christ l'a fait gratuitement. Amen. Christ fait gratuitement. Amen. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne restez pas à la maison accablé par les soucis, mm-hmm. par les problèmes. Non, nous sommes là pour nous édifier. Et lorsque Dieu a donné son onction, comme on a dit, allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que je peux encourager les leaders qui viennent pour l'émission? Oui, nous vous écoutons. Ok. Allô? Oui, allô, nous vous suivons. Vous êtes live, nous vous écoutons. Oui, justement, j'allais juste vous remercier, surtout parce que, surtout quand vous parlez de l'amour, et il n'y a rien qui pouvait exister sans cet amour-là. Exactement. Même la Bible déclare qu'il a même, parce qu'il y avait l'amour qui a rempli son cœur, et ça l'a envoyé de prendre une décision. Après avoir regardé tout autour de lui ce qu'il avait créé, mm-hmm. il a pris une décision de nous créer par son image. Mm-hmm. Nous sommes le fruit de cet amour. Amen. Je bénis vraiment l'Éternel pour cette inspiration qu'il vous a donnée mm-hmm. par les canaux de notre Père, Papa Kossi. Mm-hmm. Et que ce ne soit pas la première émission, que ce soit une continuité. Amen. Que le Saint-Esprit augmente encore la Amen. Mesure de son inspiration en vous. Amen. Afin que nous mangeons. Nous n'avons pas besoin seulement de manger la nourriture physique. Mm-hmm. Et nous avons vraiment besoin de manger la nourriture spirituelle. Amen. Afin que, comme la Bible dit, il avait soufflé quelque chose de lui en nous. Amen. Et nous sommes devenus des âmes vivantes. Amen. Pour que nous construisons le royaume sur la terre. Amen. La recommandation que Jésus nous a donnée. Amen. De construire le royaume sur la terre. Afin que quand il va venir, quand il va voir qu'il y a l'amour qui règne sur la terre, et nous allons vivre comme il vit Amen. Au paradis. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour l'encouragement et merci aussi pour votre commentaire. Vous avez encore rajouté quelque chose. Amen. Nous sommes reconnaissantes pour cela. Que Dieu vous bénisse Amen. Et portez-nous aussi dans vos prières, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci abondamment. Voilà.